Bonjour à tous, en direct d'Ecclesia Quantique, je suis actuellement avec Inès. Bonjour Inès. Bonjour. Alors Inès, tu as participé ce matin à un masterclass. Oui, alors cet après-midi, c'est la première masterclass. Voilà, sur le chant, n'est-ce pas? Parce que tu aimes chanter. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour en fait, sur comment ça se passe, ce que tu as appris? Alors on a une prof de chant qui était là ce matin pour nous former sur des techniques musicales. Alors moi je chante en tant que soprane. Du coup, le but était vraiment de nous donner des outils pour que quand on chante, soit en chorale ou alors quand on anime une messe, vraiment essayer de porter notre voix et de faire en sorte que les chants soient beaux et qu'on puisse guider les autres avec des certaines techniques. Voilà. Quelle ambiance on retrouve dans ces ateliers? C'est assez sympa de se rendre compte qu'on est plein de jeunes qui vont nous former pour chanter et qui aiment autant ça. Donc, c'est vraiment très porteur, tout le monde est très bienveillant. Donc c'est assez agréable de savoir qu'on peut vraiment être à l'aise et vraiment chanter qui aurait le plaisir. Alors je crois que vous êtes 120 bénévoles lillois, vous connaissez bien la ville, vous connaissez bien l'ambiance que vous avez envie de transmettre. Mais justement, parlons d'ambiance interne à ces 120 bénévoles, comment ça se passe? Eh ben, c'est très agréable. Alors déjà, de recevoir dans notre ville, quand même, c'est quelque chose qui fait plaisir. Pour la plupart, on est tous Lillois depuis quelques années. Donc, y a une sacrée ambiance parmi nous. Et c'est très porteur de pouvoir accompagner autant de jeunes entre 18 et 35 ans et de les accompagner dans notre ville et de leur faire découvrir toute la culture lilloise. Donc, c'est vraiment un bonheur d'être tous ensemble et de passer autant de temps à profiter. Écoutez, je vous propose de profiter, bien sûr, merci. De Ecclesia Quantique. Merci, Inès. Merci.